bien si vous allez manger ou si vous allez vous chauffer. Vous savez qu'aujourd'hui, non seulement on coupe le courant à une quantité considérable de gens dans ce pays, 300 000, mais maintenant on a des gens à qui on coupe l'eau. Vous entendez, monsieur Bazin, l'eau, l'électricité, vous pouvez encore vivre dans le noir avec une bougie. Mais l'eau, vous en avez besoin pour vivre. Eh bien, même ça, on le coupe. Et là, vous avez eu quelqu'un qui a été condamné, récemment un travailleur qui refusait de faire ça, parce que c'est un acte barbare. Je dis à ceux à qui on donne ces ordres, désobéissez. Parce que votre conscience d'être humain doit vous interdire de faire endurer ce martyre aux gens.